Très glissant, très très amusant, et puis bon, ça a commencé à sécher, puis à la fin c'était quand même très très rapide parce que c'était vraiment sec et il y avait de l'adhérence partout. Mais alors l'ambiance en SR et en PH, je peux te dire que c'est fabuleux, on s'est vraiment bien amusé, il y a eu un petit peu des regroupes, il y a eu un petit peu de retard, et hyper sympa, franchement je ne regrette vraiment pas de m'être engagé en PH, en SR. Ben, ça a démarré ce matin assez difficile parce que hier, cette nuit, même ce matin encore un tout petit peu, il a plu. Avec par endroit des fines couches de boue, par endroit des plus grandes couches de boue. C'était vraiment pas facile pour découvrir une voiture pareille. Et je pense qu'on a été patient, qu'on a, comment on dit ça, bien tiré notre jeu, l'épingle du jeu. Et à partir de la deuxième boucle, quand il a séché, moi je me suis vraiment régalé. C'était super, je me suis super bien amusé. Ce matin, c'est la pluie, hein, c'est un peu d'avance pour nous, hein, avec quatre roues motrices. Et maintenant, l'après-midi, avec la route, c'est ne pas glissant et c'est beau aussi. Hein, et je suis dans deux erreurs, c'est ma faute. Et peut nous produire une fois 15 secondes, une fois 10 secondes, mais après la deuxième boucle, c'est juste d'accord, c'est confidence et c'est bon, le résultat. Et le prochain rallye pour vous, c'est faut peut-être le Salamandre, peut-être. Okay. Bien, on a dû prendre confiance comme je disais tout à l'heure, un peu en tout, en l'auto, et bon, le feeling avec la boîte et les freins c'est venu au fur et à mesure. Après il a fallu se réadapter sur le sec, on avait roulé sur la pluie, et puis voilà, maintenant avec le copilote on a fait du super bon boulot, on a commencé à retarder les freinages, on a fait du bon job. Je crois qu'avec un ou deux rallyes on devrait encore un peu s'améliorer, ce sera bien. Et la suite du programme pour toi c'est ? Le rallye d'Oirem là en septembre, toujours avec Thierry. Écoute, on était très bien partis dans les deux premiers. La fin de la deuxième spéciale, je me suis fait un peu peur dans le vide. Et la 3 et la 4, j'étais vraiment crispé. On a perdu tout de suite 30 secondes sur le groupe de tête. Et puis on est rentré ici, je me suis remis un peu en question, il y a un peu le temps, là j'ai réfléchi à deux trois trucs et puis on a discuté avec Jérôme, on est reparti comme des boulets de canon et en fait on tenait parfaitement le rythme de Jos Pénard et des autres, donc je veux dire c'est entièrement de ma faute. Maintenant hier j'aurais signé, en voyant le plateau j'aurais signé à deux mains pour une cinquième place, faire quatrième dans l'optique du championnat c'est parfait, mais entre 5 et 10 ça m'arrangeait, donc quatrième forcément c'est une très belle journée. Oui, la course elle a été limpide jusqu'à la dernière spéciale. La dernière spéciale, on a fait une petite erreur sur un quercy et un peu lourd de conséquences. On perd une place, mais bon, on prend un piquet, un peu de trucs qui se baladent sur la route, quoi. Voilà. Mais bon, tout dans l'ensemble, c'est très bien passé. Et la suite du programme pour vous ? Le prochain, c'est le Salamandre Rally.
On roule à domicile avec beaucoup de partenaires à Nutoy, donc il fallait absolument être à l'arrivée. On a démarré sous la pluie, ça n'a pas été simple hein, avec la puissance de l'auto, etc. Et puis ça s'est asséché, on a fait 2-3 erreurs sous la pluie, on a pris une bonne minute, on s'est fait mettre. Et puis ça a séché, on a amusé un maximum les spectateurs et ça a commencé, ça a été bien. Et voilà, on est à l'arrivée, c'est le principal. Et la suite du programme pour toi ? Mais là, encore 2-3 petites révisions, mais à mon avis, d'ici 2-3 semaines, on va se réinscrire vite fait quelque part. On aimerait bien aller rouler à la tournée pour Ronald. On a un peu sympathisé avec Ronald et je crois qu'on va aller à tourner cette année. Oui, dans le matin, c'était très difficile. Hein. C'est glissant partout, mais c'est la même chose pour tout le monde. Donc oui, on a augmenté le rythme dans la deuxième boucle et on a fait quelques beaux temps, je crois. Et dans la troisième boucle, on n'a pas fait du risque. Donc, on est ici dans le parc fermé, donc notre but, c'est réussi. Très très bon début de course, très 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 bon. On était très loin devant ce matin. Malheureusement, dans la deuxième boucle, la mécanique en a décidé autrement. Un problème de pompe à essence, un spécial de sifflet qui nous a malheureusement fait arrêter avant de casser plus de choses à l'auto. Donc ben voilà, forcément déçu. Là, après ma première participation en rallye ici il y a 10 ans, ben 10 ans après, venir le gagner, ça aurait vraiment été beau, surtout qu'on était très bien parti. Ben, voilà, ce sera pour l'année prochaine.